Tocqueville, qui est-ce? A-t-il demandé, mieux qu'au petit Larousse, illustré, qui renseigne nos écoliers, nos étudiants, sur tout ce qu'ils sont censés apprendre à l'école ou à l'université? Le petit Larousse, à l'article Tocqueville, écrit... Le petit Larousse est bien discret. Si je veux en savoir davantage, à qui m'adresser, sinon à un étudiant de sciences politiques? Tocqueville était donc de la noblesse de robe et il avait assez voyagé. Et c'est justement en confrontant ce qu'il avait vu dans les diverses régions où il était passé, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes qui se posaient. Et donc qu'il fallait apporter à la France des réformes qui auraient permis au peuple, aux groupes sociaux qui étaient très défavorisés, d'acquérir une certaine vie, d'acquérir des éléments de vie qui soient suffisants, qui leur permettent de vivre tout simplement, parce qu'il faut se rendre compte que lors du XVIIIe siècle, il y avait au début de ce siècle justement des famines qui ont amené une grosse partie de ce peuple à mourir, quoi. Je veux dire en particulier Vauban et Boisguilbert, qui lors de voyages semblables avaient présenté justement ces problèmes de la France qui se posaient dans les diverses régions. Je m'excuse parce que j'aimerais mieux vous faire donner une précision. Tocqueville est contemporain à peu près de Vauban et de Boisguilbert. Non, Tocqueville est de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Ces voyages dont vous parlez datent de quand? Il a fait partie de la Constituante, mais après, il était considéré comme dangereux pour le nouvel ordre qui s'était établi en France. Il a dû émigrer justement aux États-Unis, ce qui lui a amené, pendant son voyage aux États-Unis, d'observer quel était le système américain depuis justement la Révolution américaine. Et l'établissement... Il est plus disert, mais parfaitement mal renseigné. Ce que l'on appelle communément un grand homme, c'est un grand destin. Eh bien, Tocqueville a ceci de particulier pour un grand homme. Il n'a pas de destin. Né à Verneuil en 1805, il a vécu la plus grande partie de sa vie dans le château de Tocqueville, pour y mourir en 1859. Tocqueville appartenait à une famille de noblesse normande, d'illustre noblesse normande, puisque, dit-on, un de ses ancêtres accompagnait Guillaume le Conquérant. Son père avait été arrêté pendant la Révolution et sauvé par le 9 Thermidor. Il avait donc été élevé dans une famille légitimiste, où subsistait le culte du roi martyr. En 1827, après des études de droit, il avait été nommé juge auditeur à Versailles. Quand survint la révolution de 1830, ce fut pour lui une question de conscience de savoir s'il prêterait serment au nouveau régime. Il s'y décida, mais le cœur déchiré et la conscience incertaine. En 1831, Tocqueville part avec son ami Gustave de Beaumont pour l'Amérique, où il séjourne un an. Le but officiel de son voyage était d'étudier le système pénitentiaire en Amérique. Mais lui-même, semble-t-il, se proposait, dès le point de départ, d'écrire un grand livre sur la démocratie américaine, grand livre qui avait probablement deux objets, l'un de comprendre comment la démocratie était possible outre-Atlantique, et l'autre de préparer la carrière politique de Tocqueville. Car Tocqueville lui-même considérait qu'il était de son devoir, pour lui descendant d'une vieille famille, de participer aux affaires de l'État et de servir en jouant un rôle politique. Tocqueville abandonna d'ailleurs rapidement la carrière de juge, et les circonstances dans lesquelles il l'abandonna sont, me semble-t-il, révélatrices.
Son ami Gustave de Beaumont avait été obligé de démissionner parce que le ministère avait voulu lui imposer une tâche qui était contre sa conscience. Alexis de Tocqueville considéra qu'il ne pouvait pas rester dans la magistrature à partir du moment où son ami avait été obligé de l'abandonner pour des raisons de conscience. Donc, en 1832, Tocqueville abandonne et abandonne définitivement la magistrature. En 1835, il devient d'un coup célèbre en publiant La démocratie en Amérique. Il entre à l'Académie des sciences morales et politiques quelques années après et bientôt, 3 ans plus tard, à l'Académie française. En 1839, Alexis de Tocqueville est élu député dans la circonscription où ses ancêtres avaient toujours vécu et à ce moment-là commence sa carrière politique, car Tocqueville fut un écrivain politique, mais il avait voulu être un homme d'État. Alexis de Tocqueville fut un parlementaire pendant une dizaine d'années. Il ne fut pas un grand parlementaire, en ce sens qu'il n'arriva jamais au premier rang des hommes politiques. Lorsqu'il fut pour quelques mois ministre, ce fut à la suite d'un homme politique à son époque très connu, dont le nom est à peine retenu aujourd'hui, Odilon Barrot. Et dans le cas de Tocqueville, comme dans celui de beaucoup d'autres écrivains, se pose l'éternelle question, pourquoi un homme et un esprit supérieur n'arrive-t-il pas dans la politique parlementaire au premier rang? Je pense qu'il serait difficile de donner une réponse plus pertinente que celle que Tocqueville lui-même a donnée dans un passage de ses souvenirs, et dont le résumé pourrait être « Je n'avais ni la capacité de mépris, ni la capacité d'illusion, ni la capacité de mensonge nécessaire pour faire carrière. » Le fond du métier chez un chef de parti consiste à se mêler continuellement parmi les siens et même parmi ses adversaires, à se produire, à se répandre tous les jours, à se baisser et à se relever à chaque instant pour atteindre le niveau de toutes les intelligences, à discuter, à argumenter sans repos, à redire 1000 fois les mêmes choses sous des formes différentes et à s'animer éternellement en face des mêmes objets. De tout ceci, je suis profondément incapable. Tocqueville, cependant, comme parlementaire, a laissé quelques grands souvenirs. Il faut lire et relire certains de ses rapports. Il a étudié le problème d'Algérie de très près, et si l'on voulait ajouter quelques chapitres aux thèses des occasions perdues, on pourrait citer Tocqueville. Tocqueville également, en 1848, au mois de janvier, en réponse au discours du trône, a fait un discours célèbre qui a surpris et terrifié l'Assemblée, discours dans lequel il annonçait la révolution prochaine. La révolution éclata le mois suivant et, dit Tocqueville, j'en fus le premier surpris. Plus tard, lorsque la révolution se fut établie, Tocqueville fut ministre des Affaires étrangères pour 6 mois. Il n'a pas laissé, il ne pouvait pas laisser un grand souvenir de ministre des Affaires étrangères parce que le temps lui a manqué. On sait qu'il avait pour chef de cabinet Gobineau, qui avait travaillé pour lui quelques années auparavant, qui resta un de ses amis intimes, en dépit de dissentiments fonciers sur l'échelle des valeurs et sur la signification des institutions actuelles. Si Tocqueville, ministre, n'a pas laissé et n'a pas pu laisser le souvenir d'un grand homme d'État, ce court passage aux affaires a eu, je crois, pour la personnalité de Tocqueville lui-même, une signification éminente qui l'a expliqué, comme d'habitude, avec une parfaite clarté. Tocqueville, comme homme, doutait de lui-même. Il était incertain, mélancolique. Il avait peur de ne pas répondre aux circonstances, d'être incapable d'être aussi grand qu'il devait l'être. Une fois ministre, d'un coup, nous dit-il lui-même, ses doutes disparurent et il prit en lui-même confiance en découvrant qu'il était de taille, confronté avec de grands devoirs, d'être maître de lui-même et d'être digne de ses fonctions. Apparemment donc, rien de commun entre la vie de Tocqueville et la vie tumultueuse qui prévalait dans ce début du XIXe siècle, marqué par le romantisme. Rien de commun, mais tout de même
C'est à 26 ans que Tocqueville est parti pour l'Amérique. Et à l'époque, aller en Amérique, ce n'était pas prendre la caravelle ou le Boeing. C'était une expédition où le vent pouvait toujours jouer de mauvais tours. C'est à 31 ans qu'il a publié son livre. Et tout de même, il y a une singulière précocité. Bon, un petit peu d'aventure, de la précocité, mais avant tout, une vie de travail, une vie d'humaniste. Tocqueville est notre Montesquieu du 19e siècle, et la plupart des Français ne le savent pas. L'un et l'autre appartiennent à une famille d'esprit ou à une école de pensée qui aurait souhaité pour la France une évolution régulière vers des institutions libérales. L'un et l'autre sont plus célèbres hors de France qu'en France. Madame Ginsberg se prépare à être professeure de français aux États-Unis. Pour le moment, elle est étudiante à Paris. Et je voudrais lui demander depuis quand elle a entendu parler de Tocqueville. C'est très difficile à dire. J'ai entendu parler de Tocqueville depuis toujours. C'est surtout à l'école primaire que j'ai lu des extraits. Monsieur Katz, lui, se destine à être professeur d'histoire aux États-Unis. Est-ce qu'il a beaucoup lu Tocqueville? Oui, il y a beaucoup des éditions de Tocqueville, des éditions complètes, des morceaux choisis. Oui, et il y a même des éditions toutes récentes, au moins 3 ou 4 dans les 10 dernières années, des éditions de toute espèce. Mais nous avons interrompu M. Raymond Aron, qu'il veuille bien revenir à sa comparaison entre Montesquieu et Tocqueville. Alors que Montesquieu rêve probablement de restaurer les libertés anciennes de la monarchie française en un siècle nouveau, Tocqueville, lui, a pour préoccupation majeure de sauver les valeurs libérales dans un âge démocratique. Alors que Montesquieu est inépuisable par la diversité, je dirais volontiers que Tocqueville est inépuisable par la diversité qu'il a apportée à développer des idées fondamentalement simples. Et puis je pense qu'il y a entre ces deux hommes une autre différence, qui est peut-être plus importante encore. Montesquieu a écrit de tout. Et il est finalement éblouissant dans le détail, mais obscur dans l'ensemble. Tocqueville se situe presque à l'extrême opposé. Car je pense que Tocqueville est un de ces grands penseurs, il y en a quelques-uns, qui se définissent par une question unique. Bergson disait quelque part que toute philosophie pouvait se réduire à une intuition simple. Dans le cas de Tocqueville, je dirais que sa pensée politique prend racine dans une interrogation fondamentale et immédiatement saisissable. Cette interrogation est la suivante. Toutes les sociétés sont en train de devenir démocratiques, c'est-à-dire d'évoluer vers un état social où les différences de caste et de conditions tendront à s'effacer. L'âge démocratique, le mouvement démocratique, est une fatalité, ou, comme disait mieux Tocqueville, un fait providentiel qu'il faut reconnaître comme tel. Mais ces sociétés démocratiques pourront être soit libérales, soit despotiques. Et il dépend des hommes, des sociétés et des lois que ces sociétés qui seront toutes et nécessairement démocratiques soient ou libérales ou despotiques. L'œuvre d'Alexis de Tocqueville se définit à partir de cette interrogation. Despotisme, libéralisme, de Tocqueville à nos jours, ce dilemme n'a pas cessé de hanter le monde. Mais comment Tocqueville se définissait-il par rapport à lui? Tocqueville, en tant qu'interprète de l'histoire, se situe lui-même entre les doctrines opposées, entre ceux qui ne voient que l'action des hasards ou des personnalités, et ceux qui imaginent un déterminisme des forces profondes qui entraînerait l'humanité contre elle-même. Tocqueville, d'ailleurs, a résumé sa philosophie de l'histoire avec une clarté parfaite dans un passage des Souvenirs que je voudrais que vous entendiez. Je n'ignore pas que plusieurs de mes contemporains ont pensé que les peuples ne sont jamais ici-bas les maîtres d'eux-mêmes et qu'ils obéissent nécessairement à je ne sais quelle force insurmontable et inintelligente qui naît des événements antérieurs, de la race, du sol ou du climat. Ce sont là de fausses et lâches doctrines qui ne sauraient jamais produire que des hommes faibles et des nations pusillanimes. La Providence n'a créé le genre humain ni entièrement indépendant,
ni tout à fait esclave. Elle trace, il est vrai, autour de chaque homme un cercle fatal dont il ne peut sortir, mais dans ses vastes limites, l'homme est puissant et libre. Ainsi des peuples. Gobineau commenta l'Ancien Régime et la Révolution, et reprocha à son ami et maître d'accorder, si je puis dire, les circonstances atténuantes aux constituants. Que trouvez-vous de grand, disait-il, dans ces hommes qui ont provoqué une révolution qu'ils ne souhaitaient pas? Que trouvez-vous à louer dans ce qui a été finalement une catastrophe? Et, allant plus loin, Gobineau critiquait tous les régimes de son époque. Aucun de ces régimes, disait-il, n'étant capable d'être un régime libre. À ces invectives, contre son époque, contre l'humanité, contre le régime parlementaire, voici la réponse où, pour une fois, la passion devient ironique, qu'adresse Alexis de Tocqueville au comte de Gobineau. Vous considérez les hommes de nos jours comme de grands enfants très dégénérés et très mal élevés. Et en conséquence, vous trouvez bon qu'on les mène par des spectacles, du bruit, beaucoup de clinquants, de belles broderies et de superbes uniformes, qui bien souvent ne sont que des livrées. Je crois, comme vous, mes contemporains assez mal élevés, ce qui est la première cause de leur misère et de leur faiblesse. Mais je crois qu'une éducation meilleure pourrait redresser le mal qu'une mauvaise éducation a fait. De peur de subir le despotisme des partis, sous lesquels du moins on pouvait défendre par la parole et la presse sa dignité et son indépendance, vous trouvez bon d'être opprimé d'une seule manière et par un seul individu à la fois, mais si bien que personne, pas plus que vous qu'un autre, ne peut souffler mot. Soit encore, on ne peut disputer des goûts. Plutôt que d'assister aux intrigues qui règnent dans les assemblées, vous préférez un régime où le plus grand événement peut être amené dans l'ombre en vue d'un coup de bourse ou du succès d'une affaire industrielle. De mieux en mieux. À ce point, je dirais, comme Tocqueville, que le dialogue s'arrête et que les personnalités s'affirment. Pour mon compte, je n'hésite pas, tout en avouant que je ne sais pas avec certitude pourquoi je n'hésite pas. C'est ce que l'on pourrait appeler une adhésion mélancolique. On pense aux mots de Sir Winston Churchill : la démocratie est le pire des régimes, mais tous les autres sont pires qu'elle. Ce n'est pas seulement parce qu'il s'est résigné à la démocratie que Tocqueville nous concerne. C'est que celui-ci a posé la question de la nature des sociétés modernes. À cette question de la nature des sociétés modernes, ses contemporains donnaient des réponses contradictoires. Auguste Comte appelait la société moderne industrielle, et il pensait que le problème presque unique de notre âge était celui de l'administration efficace de l'industrie. Marx appelait la société moderne capitaliste, et il pensait que l'urgence, la nécessité presque unique, était d'éliminer la propriété individuelle des instruments de production. Et il imaginait qu'une fois l'aliénation économique supprimée, tous les biens dont il rêvait, c'est-à-dire l'égalité, la liberté, surgiraient d'eux-mêmes. Je pense que Tocqueville est, dans la première moitié du XIXe siècle, le seul qui a défini la société moderne comme démocratique et le seul qui ait considéré que ce qui différencierait les différentes espèces de société moderne, ce serait la nature de leur gouvernement. En d'autres termes, Tocqueville, typique représentant de la pensée française, ne nie nullement l'importance des facteurs économiques, comme on dit. Il ne nie pas l'importance de l'industrie, mais il pense que toutes les sociétés seront commerciales, industrielles, tendront à développer le bien-être, comporteront un effacement progressif des différences de classe ou d'État, mais il pense que certaines de ces sociétés seront gouvernées de manière despotique et d'autres de manière libérale, et il ne se pouvait pas qu'à notre époque, au milieu du XXe siècle, on ne trouva point que Tocqueville était d'une certaine façon le prophète du monde dans lequel nous vivons, puisqu'effectivement, toutes les sociétés modernes sont industrielles. Toutes les sociétés modernes tentent à être démocratiques en un certain sens de ce mot, mais dans certaines d'entre elles, il ne subsiste que des sujets, et dans d'autres, survivent des citoyens. Prophète du monde où nous vivons, Raymond Aron ne croit pas si bien dire.
Il y a aujourd'hui sur la Terre deux grands peuples qui, partis de points différents, semblent s'avancer vers le même but. Ce sont les Russes et les Anglo-Américains. Tous deux ont grandi dans l'obscurité, et tandis que les regards des hommes étaient occupés ailleurs, ils se sont placés tout à coup au premier rang des nations. Et le monde a appris presque en même temps leur naissance et leur grandeur. Tous les autres peuples paraissent avoir atteint à peu près les limites qu'a tracées la nature et n'avoir plus qu'à conserver, mais eux sont en croissance. Tous les autres sont arrêtés ou n'avancent qu'avec mille efforts. Eux seuls marchent d'un pas aisé et rapide dans une carrière dont l'œil ne saurait encore apercevoir la borne. L'Américain lutte contre les obstacles que lui oppose la nature. Le Russe est aux prises avec les hommes. L'un combat le désert et la barbarie, l'autre la civilisation revêtue de toutes ses armes. Aussi les conquêtes de l'Américain se font-elles avec le soc du laboureur, celles du Russe avec l'épée du soldat. Pour atteindre son but, le premier s'en repose sur l'intérêt personnel et laisse agir sans les diriger la force et la raison des individus. Le second concentre en quelque sorte dans un homme toute la puissance de la société. L'un a pour principal moyen d'action la liberté, l'autre la servitude. Leur point de départ est différent, leurs voies sont diverses. Néanmoins, chacun d'eux semble appelé par un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans ses mains les destinées de la moitié du monde. Le grand livre de Tocqueville, peut-être pas le plus parfait, car personnellement je pense que l'Ancien Régime et la Révolution est plus parfait que de la démocratie en Amérique, mais son livre le plus célèbre, celui qui fit d'un coup sa gloire, La démocratie en Amérique, peut être lu de trois façons. On peut y voir, et c'est certainement une des significations majeures, une réponse à la question. La question est, à quelles conditions peut-on sauver la liberté à l'âge démocratique? Ou encore, pourquoi est-ce que la démocratie à l'américaine a les meilleures chances de survivre libre dans le monde actuel? La deuxième façon de lire la démocratie en Amérique, c'est de s'attacher surtout au deuxième tome. Ce deuxième tome, qui eut beaucoup moins de succès que le premier, est un extraordinaire exercice intellectuel. Dans le jargon de la sociologie d'aujourd'hui, on dirait que c'est une sorte de construction d'un type idéal de la société démocratique égalitaire, avec une série de recherches sur le caractère que prendraient les différentes activités humaines dans une société égalitaire. Je pense qu'aucun sociologue d'aujourd'hui ne se risquerait à un exercice de cet ordre. La bonne méthode scientifique l'interdit. Mais ce deuxième tome est dangereux, éblouissant, inégal, mais c'est certainement une grande œuvre intellectuelle. Enfin, la troisième façon de lire la démocratie en Amérique, et la façon la plus courante, c'est d'y voir une analyse et une description d'une société particulière et d'une culture. Et au fond, c'est parce que l'on cherche dans le livre de Tocqueville un portrait des États-Unis d'alors et des États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui que ce livre a conservé son extraordinaire popularité et son extraordinaire actualité. D'actualité dans le sens de... Il nous apprend ce qu'il y a dans les fondements de la Constitution des États-Unis. Il faut absolument lire Tocqueville parce que lui, il a bien expliqué le fonctionnement du gouvernement local, par exemple, aux États-Unis. Et pour étudier l'histoire américaine, il est indispensable. Sur le plan de l'histoire, où est-ce qu'il vous paraît aussi qu'il a, par exemple, prévu l'évolution des États-Unis? Dans une certaine... Oui, je crois, dans un certain sens, il a prévu la guerre civile, par exemple. En quoi vous paraît-il avoir prévu la guerre civile? Oh, il a tout de suite reconnu la faiblesse dans le fédéralisme même. Entre les différents États autonomes aux États-Unis. Aussi, elle dit pas mal de choses vis-à-vis de l'esclavage pour le sud des États-Unis, l'importance de cette institution, quoi. Je crois qu'il a aussi prévu, par exemple, le conformisme qui existe maintenant aux États-Unis. Le conformisme social, c'est pas parce qu'il faut que
j'ai une voiture aussi bien que mon voisin, ou bien le conformisme. C'est que Tocqueville a pris de la société américaine ce qui était le plus constant ou le plus durable. Il a analysé essentiellement le système politique américain. Puisque ce qui l'intéressait, c'était de chercher les conditions de la liberté, et alors il a trouvé la décentralisation administrative, la concentration politique, le fédéralisme, le goût que les citoyens américains ont de leurs propres affaires, l'habitude de gérer les affaires communales ou régionales, enfin l'ensemble de ces pratiques de la société libre, dont les Américains d'alors tiraient fierté, et qui restent aujourd'hui une partie de l'orgueil et de la conscience américaine. Ce qui vous frappe le plus à votre arrivée aux États-Unis, c'est l'espèce de mouvement tumultueux au sein duquel se trouve placée la société politique. Les lois changent sans cesse. Et, au premier abord, il semble impossible qu'un peuple si peu sûr de ses volontés n'en arrive pas bientôt à substituer à la forme actuelle de son gouvernement une forme entièrement nouvelle. Mais ces craintes sont prématurées. Il y a, en fait d'institutions politiques, deux espèces d'instabilité qu'il ne faut pas confondre. L'une s'attache aux lois secondaires, celle-là peut régner longtemps au sein d'une société bien assise. L'autre ébranle sans cesse les bases mêmes de la Constitution et attaque les principes générateurs des lois. Celle-ci est toujours suivie de troubles et de révolutions, et la nation qui la souffre vit dans un état violent et transitoire. D'ailleurs, l'expérience fait connaître que ces deux espèces d'instabilité législative n'ont pas entre elles de lien nécessaire, car on les a vues exister conjointement ou séparément, suivant les temps et les lieux. La première se rencontre aux États-Unis, mais non la seconde. Les Américains changent fréquemment les lois, mais le fondement de la Constitution est respecté. Naturellement, ce texte de Tocqueville est aussi une manière de parler de la France. Manifestement, en France, c'est l'inverse. La société est moins agitée, disait Tocqueville, mais les principes fondamentaux de l'ordre sont perpétuellement remis en cause. Et puis, écoutez encore cet autre texte, où Tocqueville cherche, dans la force du sentiment religieux, une des causes de la solidité de la démocratie américaine. Je ne doute pas un instant que la grande sévérité de mœurs qu'on remarque aux États-Unis n'ait sa source première dans les croyances. La religion y est souvent impuissante à retenir l'homme au milieu des tentations sans nombre que la fortune lui présente. Elle ne saurait modérer en lui l'ardeur de s'enrichir que tout vient aiguillonner, mais elle règne souverainement sur l'âme de la femme, et c'est la femme qui fait les mœurs. L'Amérique est assurément le pays du monde où le lien du mariage est le plus respecté et où l'on a conçu l'idée la plus haute et la plus juste du bonheur conjugal. C'est là une des idées auxquelles Tocqueville tenait le plus. Tocqueville, catholique, bien que dans une certaine partie de sa vie incertain de sa foi, a toujours considéré que le malheur de la société française, ou peut-être faudrait-il dire le malheur de la démocratie française, c'est le divorce entre la religion et les idées démocratiques. Il était convaincu qu'en profondeur, il y avait une parenté d'inspiration entre l'idéal démocratique et l'idéal religieux et l'idéal chrétien. Mais il constatait qu'en France, ces deux forces profondes, le mouvement démocratique et la croyance religieuse, étaient en opposition, alors qu'aux États-Unis, les églises venaient apporter leur soutien et leur force à la démocratie américaine. Tocqueville était-il un admirateur de l'Amérique? Était-il un enthousiaste des États-Unis? Était-il celui qui annonçait l'américanisation fatale du monde? Certainement pas. Tocqueville était beaucoup trop disciple de Montesquieu pour se dissimuler que les institutions adaptées à une société ne pouvaient pas être automatiquement adaptées à une autre. Il savait que beaucoup des formes que revêtait la démocratie aux États-Unis ne pouvait pas être transplanté en France. Il voulait cependant se servir du modèle américain, mais il voulait s'en servir au sens large et vague du terme pour chercher l'équivalent des institutions qui garantissaient là-bas le respect de l'ordre et de la légalité. D'autre part,
Tocqueville, nous le verrons, était plutôt rallié à la démocratie qu'il n'en était enthousiaste. Il ne se dissimulait pas les risques que la puissance de l'opinion publique faisait courir à l'esprit de liberté et d'hérésie dans la démocratie américaine. Et enfin, Tocqueville a vu avec une insurpassable clarté les points, disons, les plus vulnérables de l'aventure américaine. Car il a vu le choc des trois races, et il a su que des trois races qui peuplaient l'Amérique, deux étaient condamnées au malheur. L'une condamnée à disparaître, ou à peu près, la race des Indiens. La conduite des Américains et des États-Unis envers les indigènes respire le plus pur amour des formes et de la légalité. Pourvu que les Indiens demeurent dans l'état sauvage, les Américains ne se mêlent nullement de leurs affaires et les traitent en peuples indépendants. Ils ne se permettent point d'occuper leurs terres sans les avoir dûment acquises au moyen d'un contrat, et si, par hasard, les Indiens ne peuvent plus vivre sur un de leurs territoires, les Américains les prennent fraternellement par la main et les conduisent eux-mêmes mourir hors du pays de leur père. Les Espagnols, à l'aide de monstruosités sans exemple et en se couvrant d'une honte ineffaçable, n'ont pu parvenir à exterminer la race indienne, ni même à l'empêcher de partager leurs droits. Les Américains des États-Unis, eux, ont atteint ce double résultat avec une merveilleuse facilité. Légalement, tranquillement, philanthropiquement, sans répandre de sang et sans violer un seul des grands principes de la morale aux yeux du monde. On ne saurait détruire les hommes en respectant mieux les lois de l'humanité. L'autre, actuellement voué à la servitude, et qui, d'après lui, ne pouvait sortir de la servitude sans connaître et sans causer de grands malheurs. Malgré les efforts des Américains du Sud pour conserver l'esclavage, ils n'y réussiront pas toujours. L'esclavage resserré sur un seul point du globe, attaqué par le christianisme comme injuste, par l'économie politique comme funeste, l'esclavage au milieu de la liberté démocratique et des lumières de notre temps n'est point une institution qui puisse durer. Il cessera par le fait de l'esclave ou par celui du maître. Et dans les deux cas, il faut s'attendre à de grands malheurs. Tocqueville avait publié le premier tome de la démocratie en Amérique en 1835, c'est-à-dire quand il avait 30 ans. Le deuxième tome avait paru en 1840. L'Ancien Régime et la Révolution parut en 1856. Il n'est pas question en quelques instants de résumer un livre d'histoire qui vaut par le détail, la précision, l'érudition, le savoir. Mais il est possible d'indiquer un ou deux thèmes fondamentaux. Le thème de la centralisation administrative. Ce n'est pas la Révolution, ce n'est pas la République qui a créé la centralisation administrative, c'est l'Ancien Régime. Et l'Ancien Régime a d'une certaine façon préparé sa ruine en nivelant les conditions et en imposant à tout le pays d'être administré de Paris et par Paris. D'autre part, l'Ancien Régime n'était pas sans mérite, mais les fautes ont rendu, sinon inévitable, du moins probable la Révolution qui devait l'emporter. Par-dessus tout, l'Ancien Régime a empêché les Français, a empêché les classes sociales de se connaître, de se comprendre et de gérer ensemble leurs affaires. Tocqueville ne cesse de répéter, les classes de l'Ancien Régime s'ignoraient et lorsqu'elles se sont rencontrées, ce fut l'explosion. Quant à la Révolution elle-même, Tocqueville en parle avec un mélange d'admiration, d'effroi et par instant de désespoir. Mais je voudrais d'abord que vous entendiez les pages dans lesquelles Tocqueville, aristocrate, légitimiste, fait l'éloge des constituants à l'aube de la Révolution, quand les révolutionnaires pensaient construire un monde nouveau. Je ne crois pas qu'à aucun moment de l'histoire on ait vu sur aucun point de la Terre un pareil nombre d'hommes si sincèrement passionnés pour le bien public, si réellement oubliés de leurs intérêts, si absorbés dans la contemplation d'un grand dessein, si résolus à y hasarder tout ce que les hommes ont de plus cher dans la vie, faire effort sur eux-mêmes pour s'élever au-dessus des petites passions de leur cœur. Le spectacle fut court, mais il eut des beautés incomparables. Ce qui est, me semble-t-il, le mérite
de l'homme Tocqueville et du penseur Tocqueville, c'était qu'il était capable de comprendre à tout à la fois ce qu'il y avait de grand dans le système aristocratique de l'Ancien Régime. Pourquoi ce régime s'était condamné à mort en ne se transformant pas, ce qu'il y avait de noble dans les espérances révolutionnaires, et aussi pourquoi la tempête révolutionnaire fut pour les espoirs même des révolutionnaires une catastrophe. Car c'est par là que Tocqueville échappe à toutes les définitions et qu'il sera toujours critiqué tout à la fois par le parti des conservateurs et par le parti des révolutionnaires. Aux yeux des conservateurs ou des réactionnaires, il est un traître ou, comme on dit aujourd'hui dans un français détestable, un capitulard, puisqu'il reconnaît que la révolution est faite et que l'ancien régime est mort. Aux yeux des révolutionnaires, il lui manquera toujours quelque chose, qui est la capacité d'illusion ou de foi. Étrange démocrate qui refuse le mythe révolutionnaire, étrange légitimiste qui accepte la mort de l'ancien régime, tel est Tocqueville. Enfin, grâce à la carrière politique à demi avortée de Tocqueville, nous possédons du talent de l'écrivain un témoignage que jamais nous n'aurions eu s'il n'avait été un parlementaire, à savoir ce livre étonnant, tout différent des autres, qui s'appelle Les Souvenirs. Ce livre, Tocqueville l'a écrit immédiatement après son retrait des affaires, dans la solitude et sans intention de publication. Le résultat est une liberté de ton et d'écriture que l'on ne trouve pas dans les grands livres où Tocqueville s'est appliqué à écrire comme, pense-t-il, on devait écrire. Dans Les Souvenirs, c'est Tocqueville lui-même, Tocqueville spontané, qui s'exprime sans retenue et souvent sans indulgence. Deux portraits, je pense, méritent d'être retenus. Écoutez ce que Tocqueville pensait de Lamartine. Je crois en effet que si Lamartine se fût mis résolument, et dès le premier jour, à la tête de l'immense parti qui voulait ralentir et régler la révolution, et qu'il eût réussi à conduire celui-ci à la victoire, il n'aurait pas tardé à être enterré dans son triomphe. Il n'eût pu arrêter à temps son armée, qu'il aurait bientôt laissé en arrière et se fût donné d'autres conducteurs. Je ne pense pas qu'il lui fût possible, quelque conduite qu'il eût tenue, de garder longtemps le pouvoir, et je crois qu'il ne lui restait que la chance de le perdre avec gloire, en sauvant le pays. Mais Lamartine n'était assurément pas homme à se sacrifier de cette manière. Je ne sais si j'ai rencontré dans ce monde d'ambitions égoïstes au milieu duquel j'ai vécu un esprit plus vide de la pensée du bien public que le sien. Certes, j'y ai vu une foule d'hommes troubler le pays pour se grandir, c'est la perversité courante, mais il est le seul, je crois, qui m'ait toujours semblé prêt à bouleverser le monde pour se distraire. Je n'ai jamais connu non plus d'esprit moins sincère, ni qui eût un mépris plus complet pour la vérité. Quand je dis qu'il la méprisait, je me trompe. Il ne l'honorait point assez pour s'occuper d'elle d'aucune manière. En parlant ou en écrivant, il sort du vrai et y rentre sans y prendre garde, uniquement préoccupé d'un certain effet qu'il veut produire à ce moment-là. Écoutez ce qu'il pensait de celui qui devait devenir l'empereur Napoléon III. Sa conversation était rare et stérile. Chez lui, nul art pour faire parler les autres et se mettre en rapport intime avec eux. Aucune facilité à s'énoncer lui-même, mais des habitudes écrivassières et un certain amour-propre d'auteur. Sa dissimulation, qui était profonde, comme celle d'un homme qui a passé sa vie dans les complots, cédait singulièrement de l'immobilité de ses traits et de l'insignifiance de son regard. Son intelligence était incohérente, confuse, remplie de grandes pensées mal appareillées qu'il empruntait tantôt aux exemples de Napoléon, tantôt aux théories socialistes. En général, il était difficile de l'approcher longtemps et de très près sans découvrir une petite veine de folie courant ainsi au milieu de son bon sens et dont la vue, rappelant sans cesse les escapades de sa jeunesse, servait à les expliquer. Il se fiait à une étoile. Il se croyait fermement l'instrument de la destinée et l'homme nécessaire. J'ai toujours cru qu'il était réellement convaincu de son droit et je doute que Charles X ait jamais été plus entiché de sa légitimité qu'il l'était de la sienne, aussi incapable du reste que celui-ci de rendre raison de sa foi. Car s'il avait une sorte d'adoration abstraite pour le peuple, il ressentait très peu de goût pour la liberté.
Le trait caractéristique et fondamental de son esprit en matière politique était la haine et le mépris des assemblées. Le régime de la monarchie constitutionnelle lui paraissait plus insupportable que celui même de la République. L'orgueil que lui donnait son nom, et qui était sans borne, s'inclinait volontiers devant la nation, mais se révoltait à l'idée de subir l'influence d'un parlement. Pas de question. C'est d'un grand écrivain. Mais d'un grand écrivain méconnu. Mais tout de même, il y a dans le cas de Tocqueville quelque chose de surprenant. Comment une telle gloire au dehors? Comment une telle négligence au dedans? Oui, comment? Tocqueville est peut-être d'une certaine façon responsable du sort qui lui a été fait en France. Tocqueville, écrivain politique, est, me semble-t-il, même pour moi qui l'admire profondément, un écrivain triste, mélancolique. Je crois que l'homme lui-même était triste, incertain. Il a parlé lui-même des doutes qui l'assaillaient de manière permanente. Et je crois que cette tristesse intime de Tocqueville s'exprime dans son œuvre et mérite d'être comprise. D'abord, Tocqueville est triste comme un homme qui a dû abandonner le loyalisme auquel il était profondément attaché. Tocqueville acceptait avec sa tête l'âge démocratique, mais il ne l'aimait pas. Or, tout écrivain qui se résigne à accepter ce qu'il n'approuve pas de tout son cœur manquera toujours d'une certaine chaleur qui fait la force convaincante d'un écrivain. Il me semble qu'on pourrait dire qu'il y a deux sortes d'écrivains qui ont souvent plus de talent qu'ils n'en méritent. Ceux qui annoncent un avenir conforme à leurs espérances et ceux qui annoncent un avenir à l'image de leur terreur. Disons Condorcet parmi les optimistes et George Orwell parmi les pessimistes. Tocqueville n'a le charme ni de ceux qui pensent que l'avenir comblera leurs vœux, ni la force de ceux qui annoncent des catastrophes à venir. Encore une fois, il est modéré, raisonnable. Encore une fois, il annonce une société dont beaucoup d'éléments lui déplaisent, mais dans laquelle les catastrophes n'auront même pas de grandeur. Et puis, peut-être y a-t-il une autre tristesse, qui est la tristesse de l'écrivain politique lui-même, de l'écrivain politique qui voudrait être un homme d'action, ou encore plus profondément, de l'écrivain politique qui connaît l'homme politique. Or, il est plus facile d'avoir foi dans l'homme que d'avoir foi dans l'homme politique. La politique est un des domaines de l'activité où les hommes ont le plus de peine à montrer leur grandeur et le plus de facilité à montrer leur bassesse. Et même les plus grands, qui grâce à leur génie ou à la chance ont pu accomplir une œuvre, ont rarement manqué ici ou là de quelques traits que l'on préférerait oublier. Je pense que Tocqueville, méditant sur la politique, nous donne une image assez précise de ce que peut être la pensée d'un homme qui n'a pas d'illusion, qui a beaucoup de clairvoyance et qui malgré tout ne veut pas désespérer. On pourrait écrire un livre contre Tocqueville en disant que cet homme qui a tout analysé a négligé les deux points essentiels de sa pensée, la foi en l'homme et la foi dans la liberté. Bien sûr, il a défini plus ou moins la liberté comme le respect de la légalité, comme la garantie des libertés individuelles, comme la négation de l'arbitraire. Mais au bout du compte, tous ces aspects formels et juridiques de la liberté n'auraient rien été pour Tocqueville s'ils n'avaient été pour lui l'expression de quelque chose d'autre et de plus profond, qui est le refus de l'arbitraire et le refus de la servilité. C'est parce que ceux qui obéissent à un maître absolu deviennent serviles que Tocqueville avait horreur du pouvoir absolu. Et personnellement, j'ai le sentiment que Tocqueville est d'autant plus convaincant qu'il est moins analyste et que si sur le plan de la philosophie politique,
l'insuffisante théorie de la liberté est une faiblesse. Sur le plan de l'émotion, peut-être est-ce une force. Personnellement, je suis de ceux qui n'ont jamais pu lire sans émotion les lignes finales de l'introduction, écrite en 1856 à l'Ancien Régime et la Révolution. Quel est l'homme, écrit-il, qui de nature aurait l'âme assez basse pour préférer dépendre des caprices d'un de ses semblables à suivre les lois qu'il a contribué à établir lui-même, si sa nation lui paraissait avoir les vertus nécessaires pour faire un bon usage de la liberté. Je pense qu'il n'y en a point. Les despotes eux-mêmes ne nient pas que la liberté ne soit une chose excellente, mais ils ne la veulent que pour eux-mêmes, et ils soutiennent que tous les autres en sont tout à fait indignes. Ainsi, ce n'est pas sur l'opinion qu'on doit avoir de la liberté qu'on diffère, mais sur l'estime plus ou moins grande qu'on fait des hommes. Et c'est ainsi qu'on peut dire d'une façon rigoureuse que le goût qu'on professe pour le pouvoir absolu est dans la mesure exacte du mépris que l'on éprouve pour son pays. Que l'on me permette d'attendre encore un peu avant de me convertir à ce sentiment-là.